danced with you at my wedding, Jonathan. Bloody bastard. I've known you were one of them, Johnny. I was not strong enough. Not me. Please. I'll be good. Death has no splendor at all. Je ne voulais pas proposer des personnages, des NPC comme on retrouve dans la plupart des RPG où finalement le NPC se résume juste à prendre une quête ou à dire deux mots et puis retourner faire sa petite vie. Non, on s'est dit, bah, il faut que chaque citoyen ait sa propre identité et que chaque fois que le vampire doit en choisir un pour le sacrifier, que ça a du sens, que ça crée des conséquences dans le monde. Il y avait deux principes. D'abord, on voulait que le joueur réalise qu'il se confrontait à chaque fois à une personne. Donc, il n'y a pas de citoyen lambda. Par ailleurs, ce sont des gens que tu vas croiser systématiquement la nuit. Et pour sortir dans les rues de Londres à cette époque-là, avec ce qui se passe, avec la grippe espagnole, avec la guerre qui est en train de finir, avec visiblement un certain nombre de meurtres qui ont lieu toutes les nuits dans les différents quartiers de Londres, il faut avoir une très très bonne raison de sortir. Donc on a fait une liste de personnages et une galerie de personnages, souvent très haut en couleur, qui ont tous une très bonne raison de sortir la nuit. Le deuxième objectif, c'était de réussir à dresser un portrait de Londres qui soit véridique, qui donne une espèce de vision, strate par strate, couche sociale par couche sociale, de la manière dont on vit à Londres à l'époque. Qu'est-ce que c'est qu'être un immigré à l'époque à Londres? Qu'est-ce que c'est qu'être un orphelin? Qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un qui cherche du travail? Qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un qui est très riche? Qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un qui essaye de comprendre la raison pour laquelle des gens meurent toutes les nuits? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Dans Vampire, c'est pas en tuant les ennemis qu'on va gagner de l'XP, c'est en sacrifiant les citoyens et en absorbant leur sang frais. Ça, c'était pour nous une façon de dire, tu vois, tu es un vampire, tu peux tuer, ça a du sens dans le jeu de tuer. Tu vas être récompensé par les points d'expérience. Par contre, à chaque fois que tu tues, tu vas influencer le monde autour de toi, tu vas prendre une vie. Donc les survivants vont devoir se confronter à la tristesse, à la perte de cette personne, et la disparition de ta cible va de toute façon influencer l'histoire d'une manière ou d'une autre, ou le quotidien des gens qui vivaient autour d'elle. Chaque fois que le joueur va prendre la vie d'un citoyen de Londres, il va entendre sa dernière pensée. Donc il y a plusieurs pensées différentes que tu peux saisir selon que tu as déjà tué des gens qu'il connaît ou pas. Tu n'as pas juste acquis un certain nombre de points d'expérience. Tu saisis l'ultime pensée de quelqu'un qui va mourir. Et franchement, à chaque fois que je joue au jeu et à chaque fois que j'ai regardé des gens tester le jeu, on se rend compte que ça marche. Il y a quelque chose d'un petit peu poignant. Et c'est ça qu'on cherchait. On ne voulait surtout pas mettre le joueur dans la situation de considérer les citoyens comme des poches de sang, mais au contraire comme des entités vivantes qui sont inquiètes et qui vont regarder le prédateur qui vient de prendre leur vie et l'interroger une ultime fois sur le sens de ce meurtre, en fait, parce que c'est un meurtre. Death has no splendor at all. Oh, I see it now. I see it. Oh, the verses I could write.